merci pour l'end. Voilà, alors faudrait que je termine de détruire ces pylônes d'obsidienne. Mais sinon, l'île a complètement été détruite. Je l'ai détruit à OSDX finalement. J'ai posé au moins 20K de SDX. Mais ça marche du tonnerre. Ok. Tout est là-bas. D'accord, ok, je comprends maintenant pour le... Bon. Alors, attends, je vérifie juste que tout ça soit vide. Ouais, c'est bien vide. Donc à chaque fois avec le SDX, je récupérais la endstone et je l'envoyais dans ces diamond chests qui... Voilà, puis c'est tout quoi. Et puis donc, voilà, avec le Tesseract, j'envoyais toute l'énergie. Voilà. Donc, allons-y. Donc, je me suis fait un petit quadrillage. Hein. Donc, ce chest-là est aux coordonnées 0,0. Voilà. Donc, c'est notre point de départ. Ça va être le point, voilà, où... Ça va être le point de repère. Donc, ce coffre va toujours rester ici parce que c'est le... voilà, quoi. C'est le... C'est ce qui va nous permettre de... Ouais, ça faut vraiment que je les détruise. Ben, j'ai un peu de SDX. Est-ce que j'ai... Ouais. Hop. Ben celui-là, parce que... Enfin, juste démolir un des pylônes parce que... Ouais, bon, il va m'en falloir plus que ça. Mais bon, enfin voilà, vous avez compris l'idée. Bon, là... Alors oui, le SDX casse l'obsidienne. C'est absolument hallucinant cette TNT. Hein. Voilà. On va laisser le... Attendez, je repose juste... Un coffre histoire qu'on soit tranquille. Alors hop, tout ça. Ça non plus, ça non plus. Non, 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 non. Et puis le SDX, on va le garder sur nous quand même. Ok. Bon. Alors, on va prendre tout ce qu'il nous faut et on va commencer donc à faire ce qu'on a à faire, c'est-à-dire le... Ah oui, il me manque des export bus. J'ai des export bus, mais ils sont pas... Bon, ça fait rien. On va commencer peut-être par appeler l'énergie stick. C'est ce qui va être le plus simple, à mon sens. Donc on va se mettre ici et puis on va commencer. Donc on a ici le hop, le contrôleur. Le crafting terminal, on va le mettre à côté. Le M drive, on va le mettre au... On va mettre au-dessus. Comme ça, si jamais on a besoin d'un deuxième, on sait jamais. Normalement, à 60K, ça me suffira. Hein. Normalement, tout ça me suffira. Et j'ai pas de ME câble non plus. Bon, ok. Bon, ça, c'est le système à plier d'énergie stick. Ok. Ensuite, il va y avoir donc un câble que je vais symboliser pour le moment de la TNT. Donc ça va être un câble. On va
Et on va poser par-dessus les... Alors si ça explose, au moins je récupère les ressources, donc c'est pas trop un problème. Alors, et on va y poser nos... Ah oui, il y a les géothermal générateurs, c'est vrai ça. Non, va falloir qu'on récupère ça. Falloir avant tout qu'on récupère ça. Alors, et ça, on va le mettre ici. On va le mettre ici, et puis... Non, pas ici. Attendez, je réfléchis, mais normalement... Allez, on va le... Est-ce que si je le mets ici... Ouais, il alimente. Bon, c'est nickel, en fait. Il n'y a pas besoin de... Ok, donc ça, là, là... donc on est sur lava. Ouais, mais non, ça va pas aller si je le mets ici. Faut que je le mette ailleurs. Faut que je le mette ici. Donc, ici. Donc, on envoie des items et on reçoit de et on ouais et on reçoit de l'énergie donc on reçoit de l'énergie sous forme de lave et on va également recevoir de la lave donc ça c'est pour la lave il me manque eh bien sûr je n'ai pas le deuxième tesseract il va me falloir un deuxième de tesseract hein. Ça on va voir après. Est-ce que j'ai... Alors ça, est-ce que c'est une bonne idée? Non, à mon avis, c'est pas une bonne idée. Donc il me manque les flûtes. Bon. Ça déjà, c'est fait. Ensuite, donc les géothermales générateurs. Donc ça, c'est pas compliqué. On va... Donc ici, on va pouvoir utiliser... ça et on va utiliser une dizaine de géothermal générateurs je les passe pas dans le bon sens quoique bon, on s'en fout normalement une dizaine c'est largement suffisant. Oups, ouais, j'utiliserai des shift clics, c'est bon. Allez, hop. Alors, donc ça c'est bon. Les furnaces, apparemment, je les ai pas pris, ce qui est une bêtise de ma part. Mais... C'est bien ce qui me semblait, j'ai fait une connerie. Non, en fait, ils étaient dans le bon sens. Ok, en fait, cette face qu'il faut pour... Voilà, comme ça, on pourra avoir un visuel dessus, de dos. Hop, ici. On va pouvoir faire ça. Bizarre, ça fait une bruit de laine quand on... Ok, et donc on va avoir donc... qu'est-ce qu'on va avoir? Je crois que j'ai pas pris assez de hopper. Non, je n'ai que 3 hopper, mais on va pouvoir se débrouiller. Alors... Donc ici viendra un four et ici viendra donc un hopper. Je pense que le hopper c'est la meilleure solution. Et ensuite viendra... viendra, je disais... Ouais, non, les macérateurs. Alors normalement j'en ai pris 10 mais ce sera pas nécessaire. Je supprimerai ce qu'il faut pas.
Donc le macérateur au-dessus. On va les alimenter. Oups. Juste, j'ai la place pour faire passer un. Ouais, de toute façon, je le ferai passer de l'autre côté, c'est pas trop un problème. Donc ça, c'est bon. Et puis, ben, on va faire un souci d'équilibre. Ah, c'est pas vrai. Allez. Hop. Voilà. Ici, on va avoir des rangées de hoppers, mais ok. Donc j'allais me rechercher des hoppers, hein. C'est pas un problème. Ok, allez. Alors, qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque les... Attendez, parce que j'ai quand même les import bus. Donc les import bus, ça va pas être un problème. Donc ça va venir en dessous. En plus, j'ai ce qu'il faut en import bus. Peut-être que je vais devoir bouger, mais l'idée est là. Soit plus rapide. Ok. Bah, je vais aller chercher ce qu'il me manque. Donc les exports, j'ai ce qu'il faut. C'est juste qu'il me faut que je les fasse en fuzzy. Ah, j'ai les restes en énergie compte. Bah ouais, donc bah, ça je vais pouvoir le poser. Boum. Voilà. Nickel. Ça, c'est parfait. Bon, bah ça commence déjà. Donc il me manque les fours qui seront à la place de la TNT là et des hoppers. Donc je vais chercher ça. Ça, on va pouvoir déjà avoir notre petite usine de traitement. C'est pas par là, c'est par là. Ouais, alors j'ai mis masse tourelle parce que justement, hein, quand les, vous savez, quand je vous disais que, quand je vous disais, ah, j'adore les voix des. Quand je vous disais que j'avais des mobs qui apparaissaient, en fait, j'étais devenu complètement parano. Je me suis dit, il y a un endroit qui est mal éclairé, je vois pas où, même avec F7, je voyais pas. Donc je me suis dit, je vais mettre des tourelles partout, et puis je vais gérer comme ça. Alors, normalement, ici, j'avais mis des furnaces. Ah. Non. Des induction furnace, j'en avais pas fait. Normalement je dois avoir une dizaine de ces trucs là. Non, bon bah on va les faire alors. Il me semblait que je les avais fait, je sais pas pourquoi. Carbon plate. Oh non! Oh, c'est pas vrai! Non! Bon, ok, alors, il y a un bug dans le jeu, je vous explique rapidement. Les carbon plates, là, je ne peux pas les faire. Parce que pour les faire, il me faut ça, il me faut du raw charbon de fibre, qui n'a rien à voir avec le raw charbon tout court.
Donc je vous explique rapidement un petit peu la logique du truc. Donc ça se fait d'un compresseur, donc le carbon plate se fait d'un compresseur avec du carbon road match. Du raw carbon match, je veux dire. Et ça, pour le faire, donc c'est simplement donc de charbon fiber crafté comme ça. Et donc ça, c'est simplement ben, du charbon pulvérisé. Donc du charbon pulvérisé, j'en ai. Donc ça, j'arrive. Oui, et c'est ce truc-là que j'arrive pas à faire en fait. Le raw charbon fiber, je peux vous montrer. Donc voilà le charbon pulvérisé. Voilà, il me propose pas le raw fiber. J'ai essayé avec tous les autres charbons. C'est pareil. La dust. Voilà, ça veut pas. Et donc l'autre non plus. Hop, voilà. Donc il ne veut pas. Le pulvérisé, le dust, enfin les deux types de dust, enfin le charcoal et le colle, ça rien ne marche. Donc je n'arrive pas à faire de fiber, donc évidemment. Ça me bloque quelques crafts d'industrial craft. Hein, donc ben, on va faire les autres. Électrique nice. Et j'en ai qu'un. Donc non. Bon, ben je voulais utiliser les industriels, mais bon, ça fait rien. Les électriques engine, enfin les électriques marchent aussi très très bien. Ah, j'ai oublié les hoopers. Bon, j'ai oublié les hoopers, puis les... Bon, on va déjà poser ça. Est-ce que j'ai les fluidecs sur moi? Non, j'ai pas de fluidecs non plus, j'aurais dû prendre ça. Ah si, je les ai. T'es censé envoyer... Non, ouais, voilà. C'est ça. Je reçois de l'énergie et j'envoie de... D'ailleurs, à ce propos, le fluide, en réalité, tu vas faire les deux. Ok, donc ça, c'est la première étape. Donc... Voilà, ça commence à se charger. Ici, c'est chargé également. Donc voilà, donc on commence déjà à avoir un petit peu la gueule du machin. Donc ça va être... C'est relativement petit, mais après ça va grossir, vous en faites pas. Va y avoir un tas de petits traitements en plus. Je voulais vraiment faire ça à la... Dans le... Voilà quoi, dans... Je voulais faire un tas de trucs en fait ici. Donc ça va être une première partie. Ça va être du traitement de ressources. Mais on va également avoir une petite cellule de production d'énergie, de stockage. On va avoir pas mal de choses, hein, vous en faites pas. L'avantage de l'end, ben voilà, c'est quoi? C'est que je peux étendre cette plateforme à volonté. Alors, juste un truc, ouais, ce que j'ai fait en fait, c'est on va... Donc on est du 0-0, on va partir dans les positifs, c'est-à-dire par là. Systématiquement, et j'ai laissé une marge de un chunk donc dans les négatifs. Voilà, ce qui permet voilà quoi, de c'est juste une marge quoi. Sinon en soi j'ai envie de mettre des bandes noires là. Mais bon, enfin, c'est histoire de, voilà quoi, c'est juste histoire de quoi.
Bon, ben, eux, ils ont fini de se remplir. C'est nickel. Est-ce que j'ai ramené les... Ouais, j'ai ramené les lavadrums. On peut peut-être s'occuper de ça. Par contre, il m'a manqué un tank. Donc, ici... Ben, je mets ici. Donc, ici, on aura un tank, ici. Ici, on aura le truc extracteur. Bing. Et ensuite, on aura les cellules qui viendront comme ça. Donc, à partir d'ici, et je veux du 8x8, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 et 8. Ok. 8 fois 8, 64, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Attendez. Un instant. Je regarde juste un truc. Ouais, c'est ça. Ok, donc je vais pas avoir assez de flux d'actes. Donc ça, de toute façon, c'est pour le remplissage, sachant qu'ils sont déjà remplis. Bon. Alors, attendez, donc je note la liste de ce qu'il me faut pour... bah, je vais la noter ici. Alors, il me manque les... export. Bus. Il va me manquer également un import bus, je crois. Ouais. Il va me manquer un import bus. Un tank d'open block. Open block. Non, c'est CK. Un tank d'open block. Et il va me manquer donc. On va pas prendre de la stone. Quoi que si, on peut prendre de la stone. Bon, bloc. Donc il manque des blocs, de la redstone. Un levier. Des entonnoirs, donc des hoppers. Qu'est-ce qu'il me faut encore? Des flux ducts. Bah déjà avec ça, on a de quoi faire. Voilà, hop. Ça au moins. Ah oui, puis vous avez vu mon XP, elle est bien revenue à 50. Hein. Hop, c'est par là. Donc allons-y. Donc il me faut. Alors. Ok, j'en ai que. Il va falloir hop, fais-moi une dizaine de plus. C'est parti cuire. Donc déjà j'en ai 7. J'en ai assez pour le moment. Alors ensuite, donc j'ai dit quoi? Donc les export bus, donc je viens de les faire. Il me manque un import bus.
utiliser. Un porte-bus, qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Un tank d'open block. Va me manquer des blocs. Alors les blocs, bah, ça tombe bien, on va utiliser de la endstone, on va rester dans le thème. Il va me manquer des slabs aussi, j'ai pas noté mais il va me les manquer. Et il va me manquer donc les flux ducts. Ok. Ah puis j'ai pas fait de craft auto pour les flux ducts. Galère. Damned. Et je les vois pas en plus. Si, là. Flux duct opaque. Ingot, copper ingot. Ok, du lead et du copper. Bah, je peux les faire. J'avais coupé le craft auto en fait, c'est pour ça que. Alors, hop. 46 seulement. On... Non, pas ça. C'est ça que je veux. Ok. Ouais, là j'en ai plus cassé, hein. Ok. Donc. Les hoppers. Un hopper, voilà. Ok, ensuite. Donc j'ai dit quoi? Donc hopper, levier. Levier et redstone. Donc le, un levier et de la redstone. On va prendre un stack de chaque. Normalement la redstone énergie conduite on en aura plus besoin, mais on ne sait jamais, je la garde quand même sur moi. Est-ce que j'ai encore du SDX? Ouais, j'ai encore du SDX. Ok, allez. Bloc, levier, hopper, fluid duct, tank d'open block, un import bus, et des export bus. Normalement, j'ai tout. J'ai tout ce qu'il faut pour terminer notre petite usine de traitement, et après ce sera plus que de la préconf. Donc on va commencer par terminer ça. Attendez, on va trier un petit peu parce que c'est inadmissible ça. C'est inadmissible comment c'est mal rangé. Alors, pour les imports, les exports. Export bus. Donc ça, les export bus, ça va aller. Voilà, puis il en manque 3. Il en manque 3 qui sont plus haut. Mais normalement j'en ai besoin que de 6 officiellement. Peut-être un peu plus. Mais voilà. Il va me falloir. Ah zut. Ouais, j'ai encore oublié le Tesseract. Bon, le tank d'open block, on le mettra après. On va terminer d'abord ça. Que je peux, non je peux pas utiliser la wand de construction là dessus non, bah c'est bon savoir. Ok, donc ça c'est bon.
Hop, les lava drums. Ils sont déjà pleins, hein, mais voilà, c'est histoire de. Voilà, donc ça, on en a on a une bonne quantité de lave ici. Hop. Voilà. On remet une couche de flux duct. Tout en extraction. Hop. Ouais. Suivant. On va faire un max. Mince. C'est pas vrai. Ouais, ça va, ils ont pas perdu leur contenu. Et ils sont vraiment sympas, hein, ces drums là. Hein. Normalement, il est marqué que si on les casse, on perd le contenu, mais enfin, faut récupérer avec la wrench pour pas perdre le contenu. Mais ça fait deux fois que je fais l'erreur d'en casser sans utiliser la wrench, enfin sans faire de clic droit wrench, quoi, en fait. Hein. Je fais des clics gauche et ça marche, quoi. Je veux dire, ça, ils perdent pas leur contenu. Donc est-ce que c'est parce que même si on tape avec la wrench ça marche, je suis pas sûr, c'est pas logique en fait. Parce que quand on fait un clic gauche, c'est comme si on donnait un coup en fait. Hein. La wrench elle ne fait rien de plus que taper si on utilise le clic gauche. Et si on utilise le clic droit, ça fait autre chose. Mais bon. Peut-être qu'ils ont pensé à tout. C'est vrai que des misclics, ça arrive souvent. Oula, je suis en train de faire une connerie là. Non, c'est avec ça. Ouais, ok. J'en ai pas oublié derrière. Hein. Non. Ok. Allez, il en reste 3 à poser. Ok. Ensuite. Ah, est-ce que ça sera suffisant le. Ouais. On va dire que oui. Donc, Enstone. Redstone. Est-ce que je peux utiliser la wand sur la redstone, tiens?
Non, c'était trop beau. C'était trop beau. Alors, va falloir que je voie. Ouais, normalement. Normalement, ce sera toujours activé, donc je vais mettre simplement le. Un redstone block au milieu et puis c'est tout quoi. J'ai pas. Ouais, le problème c'est qu'il n'y a pas de milieu à ce truc-là parce que c'est du 8x8. On va le mettre là. Ici, il est à 7. Ouais, allez, hop, c'est correct. Ils ont tous perdu 2K, c'est normal, c'est la capacité des tuyaux. Donc ça se remplit. J'attends qu'ils soient entièrement pleins avant d'activer le tuyau. Voilà, et puis là, hop. Eh ben voilà. Presque. C'est presque bon. Tout ce qu'il me manque, c'est le retour. Et pour le retour, on va pas s'ennuyer. On va passer par là. En fait, on va passer par là. Voilà. Donc là, on a le retour. Et ça reste à peu près stable, même ça monte. Bon. Ouais, ça m'embête un petit peu en fin de compte. On va trouver une autre solution. Est-ce que j'ai une endstone qui traîne? Ah oui, non, oui, évidemment, il me reste plus de endstone. Bon, c'est juste une endstone qui me manque. J'en ai pas une qui traîne quelque part. T'en restait bien une dans les airs. J'ai utilisé 20 corps hein, de SDX pour détruire tout l'end, enfin toute l'île de l'end. Non, j'ai rien, il n'y a plus rien quoi. C'est un comble de chercher de la endstone dans l'end quand même. Il y en avait 300 corps hein, quand même. Hein. Il y avait 300K de endstone. C'est hallucinant, j'ai pulvérisé le machin. Bon, écoute, hein, quitte à faire. Pouvez-vous barrer? Ok. On commence de base d'Endermen. Vous les mettez en colère. Ils vous suivent. Et vu qu'ils sont très cons. Enfin presque tous. Allez, viens là. Voilà. Oh non, c'est pas vrai, ils réapparaissent. Bon, non, faut que je mette les dalles.
Faut que je remette les dalles par-dessus, sinon ça va pas le faire. Tire-toi. Ouais, évidemment, il va m'en falloir un peu plus d'attaque. Il va me falloir plusieurs stacks en fait, hein, parce qu'il faut également que je sécurise par-dessus ces blocs-là qui sont spawnables. Bon. Parce que le truc, c'est que je suppose que si je mets, allez, ne serait-ce qu'ici. Le levier, je vais tester hein, tu commences à m'emmerder toi. Levier. Parce que si je mets ici, admettons. Ah non, ici je suis à 4 encore. Ah donc non, tout est alimenté. Oh bah non, bah c'est bon alors. Je peux laisser un levier ici. Bon, hop, bon, je vais désactiver. Ils sont tous pleins. Si jamais j'étais en panne de lave, en fait je n'ai qu'à venir ici, puis activer, puis... Oh quoi que... Voilà, hop. Ouais, de toute façon on voit bien hein, c'est plein et puis et si je veux me faire une deuxième cellule de 64, alors c'est quand même énorme hein, parce que là il y a, attendez, 64 fois 256 64 fois 256, voilà, il y a 16 000 sauts là, là il y a 16 000 sauts de 16 384 sauts exactement. De stockage, c'est plus que dans ma base et ça prend honnêtement moins de place, enfin proportionnellement ça prend moins de place hein. Donc il y a juste ça parce que c'est obligé, mais voilà, je veux dire sur, allez, sur 6 blocs avec, en comptant la slab, vous stockez plus en gros, vous savez, je vous ai dit que un baril ça contenait 16 tanks, ben vous vous imaginez un cube de 16, et ben c'est contenu sur une colonne de 6 en fait, une colonne de 6 de 6 blocs en fait hein, parce que ça prend 6 blocs de hauteur et puis ben c'est tout quoi, 3 4 5 et 6, c'est ça, voilà. Bon après c'est juste un petit module ici puis c'est tout quoi. Non franchement je suis assez content hein. Bon, on va continuer un petit peu, les hoppers, hop, c'est ce qui manquait aussi. Ok, normalement il y a un ou deux fours qui devraient sauter aussi, hein, parce que c'est pas fait pour. Porte. Allez, il nous reste plus qu'un seul truc. Alors, il y aura un hopper ici. Avec un... Je l'ai pas pris. Il est là. Ça, j'en aurais plus besoin. Ça non plus. Ça non... si, ça j'en aurais besoin. Finalement, l'obsidienne, j'en ai pas eu besoin parce qu'il y a le levier, c'est suffisant. Hop. Ici. Un export bus. J'ai plus d'export bus. Ouais, ok. Alors il va me falloir 4 export bus. Va me falloir 4 export bus. D'ailleurs, est-ce qu'il m'en reste des basiques?
Si j'ai des basiques, j'en ai 3. Donc ok. Voilà, donc ça va être tout ce qui est minerai fini. Alors je vous explique rapidement. Donc il va y avoir un tank. Enfin comment, il va y avoir un autre Tesseract qui lui va s'appeler ressource. Et pour faire simple, l'autre système à pile énergétique va envoyer dans ce truc-là les ressources qui sont destinées à venir ici. Simplement. Donc via un Tesseract. Et donc ici, les matériaux seront traités. Donc on a l'iron, le gold, pas la redstone, le ferrou, non pas le ferrous non plus, le nickel, le copper, tous ces trucs-là. Tous ces trucs-là, ça va être traité ici, ainsi que les yeux d'araignée, comme ça dégage. Et voilà. Et donc chaque macérator et chaque four, c'est pour une ressource. Pour les yeux d'araignée, il n'y aura pas besoin de four, donc il faudra que je le fasse sauter. Et simplement, je remonterai l'import-bus où je mettrai un hopper de plus, histoire de garder une cohérence. Et puis c'est tout quoi. Voilà. Donc normalement, si je dis pas de bêtises, il y a 6 ressources qui viendront être traitées en masse. Et les yeux d'araignée, ainsi que 2-3 autres petits trucs qui me sont inutiles en tant que tels. Donc voilà. Et puis normalement, là, je crée suffisamment d'énergie pour alimenter tout le système. Et puis même si je manquais de lave, ça peut puiser directement dans la réserve qu'il y a ici. Donc ça c'est entièrement autonome hein, quelque part. Hein. Ça c'est la grosse batterie, si on peut dire, la grosse batterie de lave, qui est tout de suite retransmise en énergie industrielle craft. Non, franchement, c'est cool. Alors oui, juste un truc. Je vais me mettre là. N'utilisez pas ça sur les Tesseract, même alimenté en redstone. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Sur les Tesseract, il faut laisser les tuyaux à l'état normal. Le Tesseract va réussir à envoyer ou à recevoir à sa convenance. Hein. Donc il n'y a pas de problème en fait. Voilà, c'est juste pour vous prévenir, les sorties, voilà, vous faites un truc comme ça, ou une entrée, enfin voilà. En fait, ça sert d'anti-retour, en fait, quelque part. C'est juste qu'en fait, la lave peut partir dans cette direction-là, sauf en fait, ici, il y a juste, bon, si le Tesseract, il peut puiser ici, en cas de demande de lave, mais il va essentiellement puiser ici, en fait, hein, en temps normal. Voilà. Donc vous voyez donc ici, hein, donc vu que c'est plein, et eh ben on sait qu'ici, ben c'est complètement full quoi. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis ça marche très très bien. Hop. On va retourner dans le monde normal, aller chercher ce qui nous manque. Alors attendez. Il nous manque. Je sais pas si je remets d'autres lavadrums. J'aimerais bien remettre, remarque. Mais bon, là, il y en a une sacrée quantité. Hein. On verra. Je compte également mettre des réserves d'autres ressources. Hein, peut-être tout ce qui est redstone, vous savez, la redstone liquide, et l'under liquide. Mais je pense que ça va plutôt rester à la base, ce genre de choses. Et puis voilà. Non, c'est assez sympa. Voilà quoi, c'est pas. Bon, c'est pas énorme, ça aurait pu tenir dans la base, mais j'aime bien savoir ça ici. Et puis bon, bah, on va envoyer les ressources et puis on les récupère. Ça fait que dans la base, en fait, ça prend juste 2-3 blocs, ça prend un coffre et puis un Tesseract. Et puis ça prend pas plus de place quoi dans la base. Hop. Donc en parlant du Tesseract, est-ce qu'il va me manquer aussi? Faut que j'y pense. Alors, Tesseract.
On en a déjà un. Il va me manquer le chest. Et des export bus. C'est ça, hein, c'est des export bus hein, qu'il faut. Hein. On va prendre aussi les imports, on sait jamais. Toujours utile. Voilà, et ça donc ce sont les ressources qu'il faut que j'envoie. Donc il y en a deux qui sont juste macérées et qui ne sont pas cuits. En soi je vais les noter. Je vais les noter comme ça au moins. Attendez. Alors, programme accessoire Windows. Ouais, parce que je suis encore sous Windows sur mon PC. Dès que mon Windows plante, je passe sous Linux. Alors, on a l'iron. On a le gold. On a le lead. On a le copper. On a le silver. On a le tin. Ok. Puis à part, on a les spider eyes et les creepy plantes. Voilà. Donc, maintenant que je l'ai noté, on peut les virer. Parce que, ben, voilà. Hein, parce que, voilà. Donc, on va les stocker. Parce que moi, il va m'en falloir un exemplaire de chaque pour pouvoir configurer l'end. Donc, simplement. Donc, est-ce que l'iron, on a déjà reçu? Non. Bon. Pour le moment, on va laisser un petit peu tourner. J'espère que j'ai des... Ouais, de toute façon, j'ai une curie qui tourne encore, donc elle va encore récupérer ses fameuses ressources. Oh, quoi qu'elle a l'air bien avancée. J'ai ces colonnes, là, vu qu'il y avait du feu au-dessus, il a pas creusé les colonnes qu'il y a ici. Mais bon. Sinon j'irai chercher les ressources à moi, main nue. C'est pas un problème. Bon, en attendant je vais aller configurer tout ça. Ça en est où? Oh, ça se remplit encore. De toute façon, ça se verra ici. Hop. Alors, on va juste rapidement se vider l'XP. J'aime bien le son. Cette minute symphonique vous a été présentée par MLJ de Normandie. Bon, oui, parce que je regardais ça rapidement. Donc, j'ai été récupérer ces fameux arbres là, les slimy, je sais pas comment ça s'appelle. Ce sont des arbres, hein, ça donne des pousses, hein, ça peut même être avec la lumber axe hein, d'ailleurs, ça peut être récolté. Et... Ah, j'avais pas entendu le son que ça faisait quand on... Ça fait un bruit de slime. Et en fait, simplement, hein, ben, quand on décrafte ces trucs-là, ben ça... Ça commence à... Ça fait des slime balls. Donc c'est un moyen d'avoir des slime balls. Voilà. Hop.
parce que j'en avais besoin pour mes SDX, hein. D'ailleurs voilà, j'ai 5000 slime ball, pardon. Donc voilà, puis des leaves, j'en ai à plus savoir quoi en foutre. Donc voilà. Voilà ce que je faisais pendant que vous n'étiez pas là, hein, pendant que je tournais. Tiens, d'ailleurs, il y a encore un slime block là-bas. Donc j'ai récupéré ça, bah, je vais vous montrer ça sur la carte. Voilà, dans ces trucs-là, en fait. Alors, c'est en hauteur, hein, c'est dans le ciel. Vous avez ces îles flottantes là, et il y a ces arbres là dessus. Donc c'est pas compliqué à récupérer, il suffit de regarder la map. Regarder en l'air, puis vous en trouvez, puis il y a vraiment voilà quoi. Il y a souvent un arbre, puis il y a des petits slimes qui peuvent se balader là-dessus. Bon, allez, hop. Voilà, bon bah ça c'était pour les, ouais, pour les slimes. Oh tiens, j'ai tout récupéré, résultat. Ouais, j'aurais dû replanter, mais bon. J'en replanterai plus tard. Mais voilà, c'est assez pratique, c'est assez sympa. Donc voilà, récolte de slime ball. Sinon, ben, j'avais aussi prévu, hein, des slimes, trois safarinettes de slime que j'avais mis là-haut. Bon, ça marche bien, mais pas terrible en fait. Comparé aux arbres, c'est rien quoi, c'est minable. J'ai le tesseract, hein. Ouais, j'ai le tesseract. Ok. Alors, allons-y. On a... Donc on va avoir un import bus. Ouais, qui va sortir de là. Hein. Pas s'ennuyer. Allez, hop. Et donc ici. Donc normalement directement. Ouais, directement dessus, hein. Ou à côté. Je préfère mettre un entonnoir quand même. Hop, voilà. Donc ça. Ne reçoit pas d'énergie. Donc lui, il reçoit seulement des items et donc il le reçoit d'un sixième qui s'appelle donc ressource. J'ai un doute sur l'orthographe de ressources, c'est bien un C, hein? Ouais, c'est ça. C'est bien cela. Allez, hop. Donc ça, on ajoute et on valide. Ok. Export bus.